Hey, salut tout le monde, ici Legend. Alors aujourd'hui nous allons parler du pistolet en or. C'est pas très compliqué, il y a juste un truc qui bug, c'est au niveau du rechargement. Recharger et tuer un mec, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais bon, tout d'abord nous allons faire la classe, vous mettez un petit silencieux. Alors ensuite au niveau des canons, bah, j'ai mis quelque chose mais vous mettez rien, ça sera tour de passe-passe à la place. Viseur laser, vous mettez pas sauf si c'est pour les tirs au jugé. Ensuite, vous pouvez mettre plusieurs viseurs qui sont plutôt cool pour les tirs à la tête. Moi, je vous conseille un petit point rouge de base, voilà. Ensuite, en gâchette, nous allons mettre ça pour le dernier pour gâchette supérieure pour cadence de tir, car c'est très lent. Ensuite, la poignée, vous allez mettre la dernière. Vous mettez la dernière pour le recul. Ensuite, tour de passe-passe. Voilà, à la place du canon, comme je vous ai dit. Donc là, c'est pour l'avoir en or. Donc, je vous montre que j'ai bien débloqué le camouflage en or dessus. Et je pense pas le faire pour toutes les armes, parce que c'est hyper long. Et voilà, il n'est pas très beau le dernier, le Damas. Il n'est pas très joli, je l'ai sur le couteau, mais. Enfin, voilà. Donc du coup, nous allons passer au vif du sujet. C'est pour... Donc il y a beaucoup de gens qui ont un problème au niveau de recharger et faire un kill. En fait, il faut pas recharger et faire un kill tout de suite derrière. Ça fonctionne pas. Faut recharger, attendre un tout petit peu, on va dire compter 2 à 3 secondes, et ensuite vous rechargez, voilà. Donc du coup, pour les doubles éliminations, tout ça, allez en QG hardcore encore une fois, hein, surtout en QG hardcore, tout en hardcore, toutes les armes. C'est plus facile pour faire les doubles et tout. Donc voilà. Donc du coup. Je vous conseille donc. Le QG hardcore. En fait, vous vous placez derrière. À chaque fois, vous laissez les ennemis aller sur le QG. Vous placez derrière. Et après, c'est parti. La demi, oubliez tout ça, oubliez. Vraiment, oubliez. Donc là, ensuite, vous avez un petit spot pour les tirs de loin. Vous voyez. Dès le début, vous spawnez, vous allez ici. Et vous avez pas mal de tirs de loin. L'ennemi a pris le QG. De le reprendre. Là, si on se rend simple, il aura fallu 2-3 balles et encore. C'est pas la peine. C'était en hardcore, c'est trop bien. Pour monter les balles. En soi, en monter une arme, ça me prend 4-5 heures à monter une arme complète, que ça soit bouclier, couteau ou autre. Mais je sais pas, ce Call of ne me. Ce Call of me convient pas parce que tout d'abord c'est pas le gamin, je crois bien. Le Damas c'est pas très joli. Mais pas tu penses que c'est pas top. On entend les pas des kilomètres et tout. Donc bref. On a besoin d'un survol de donc là je vais pas commenter hein. Je commence le survol. Juste vous avez des tirs de loin à faire. Vraiment là où ça bug c'est au niveau des. C'est au niveau des. Quand vous rechargez en fait. Faut compter 1, 2, 3, 4 secondes et tirer. Faut pas recharger directement et tirer sinon ça fonctionne pas. Un peu plus loin dans la vidéo, vous voyez comment je fais. J'ai fait un petit montage. Où je touche à 14 au début de la vente, commence la partie, je suis à 14 et à la fin de la partie, je suis à 22. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que 1 ou 2. Alors qu'il y a des gens, ils vont recharger, ils vont dire, mais je comprends pas, ça fonctionne pas. Et effectivement, ça fonctionne pas parce qu'il faut vraiment attendre un petit peu. Voilà, faut pas recharger et tirer tout de suite. Je vous montre pas. Donc là, je me mets ici en fait, c'est pour le faire de loin tout simplement. Une fois que vous avez capturé le QG, vous sortez du QG et vous attendez que les ennemis rentrent. C'est pareil pour le bouclier ou quoi que ce soit. Bouclier, jouez toujours avec une fumée. Quand vous avez monté le couteau ou le bouclier, utilisez la fumigène.
Hop là, du coup, nous allons passer autour du jeu, on va se mettre à laser, comme je vous ai dit. Et vous avez aussi les tirs accroupis. Tirs accroupis, c'est pas compliqué, pensez juste à bah, vous mettre accroupi. C'est pas. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, vous aurez les doubles éliminations. Double élimination, c'est sympa, hein. Je suis toujours en QG, hardcore. N'hésitez pas des fois à vous décaler, vous voyez là il m'a vu, je vais pas à faire le kill. Je vais m'amuser à faire le kill m'est donné. Parce que du coup en jouant plus stratégique, ça va être de la camp. QG sécurisé. Comme vous voyez. Vous voyez, tire de loin. Ah oui, vous devez refaire des rabat-joie aussi, casser des silos aux gens. Hop là, ça nous donne tir de loin et double élimination. Il n'y a plus les sanguinaires à faire. C'est dommage, je trouve qu'il manque pas mal de choses pour être assez battu. Sanguinaire, c'est ce qui était le plus dur à faire, hein, ce qui était le plus génial aussi à faire. On domine le combat. Et là, j'aurais pu le mettre dans la tête, mais j'ai pas mis dans la tête. Donc ça me vaut une double élimination même si je meurs. Donc là vous voyez, c'est. Je suis à 14. J'ai pas compris parce que j'ai mis du temps hein, quand même à le monter. J'ai pas tout de suite compris, mais en fait, le fait est de tuer un mec. En fait, de recharger et tuer un mec juste après, ça compte pas. Donc vous voyez, je recharge 1, 2, 3. Hop là. Et là, ça me l'a compté. Élimination. Hop, j'utilise ma balle, je recharge. C'est pas tout de suite après, en fait. Si vous faites tout de suite après, ça comptera pas. Ah, vous voyez. Élimination confirmée. On en attend. Ça dure 3 secondes, il faut attendre 3 secondes, minimum 3 à 4 secondes, et vous verrez ça. Ah, je vais tirer. 1, 2, 3, à peu près 3 secondes. Voilà. Et si vraiment vous voulez le faire, hein, c'est en élimination confirmée. Vous le ferez nulle part d'autre. Ça sera trop, trop compliqué. Vraiment en élimination confirmée. C'est plus simple. Et voilà. C'est tout pour avoir l'arme en or, le petit pistolet. Donc vous voyez, là j'en ai fait 22. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Bye.